il va falloir assumer le statut. Parce qu'on a un statut cette année. On va l'assumer dès maintenant. Dès maintenant. J'ai montré qui était le patron de la police. Continuez comme ça, on est vraiment fiers. Quel plaisir de jouer comme ça. Le combat, l'ambition, la cohésion, c'est un régal. Et on ne peut pas rester là. Tout le monde veut nous faire tomber, tout le monde ne nous respecte pas, mais nous on se respecte. On est pas de potes. Et c'est comme ça qu'on va être champion. La Berthe, t'as un peu la pression. Malheureusement, la Berthe, ce n'est pas pour toi. Donc, les gars, on va équiper pour ça. T'as invité de jouer au beach? Ah oui, c'est pas toi. C'est bien le Joker? Superbe. Clay, tranquille toi. Hein. Bravo le Clay, t'es le meilleur. Merci. Donc ça c'est très important. On ne sort pas du plan parce que on veut prouver ou quoi que ce soit. On joue comme on l'a vu, parce que c'est identifié. Excellent. Pour finir bien ensemble, pour montrer que c'est une séance qui compte, et il reste maintenant 3 avant la finale, 3 séances. On finit avec le test tous ensemble. Et on veut voir les records battus, même si on va être fatigué. Les gars, en préparation, let's go. Very dry sense of humour. They call him Sergeant Bilko. Nice, I like that. Because I want to work with that. Especially mine. He plays as a four as he. Oh,
De la première épreuve concernant les cartes, il y a eu une petite modification. Antoine, donc s'il fait un classement, avec 10 buts, 10 points, ça c'est la première. C'est le premier mec qui lève la main. Ça, 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 Après, je pose une question, you fucking. Vous expliquez quand même. D'accord. Ainsi. Donc. Le contrôle peut-être non, mais nous sortis pour la peine. Thank you.
forcément impatient. Ça fait déjà quelques semaines qu'on sait qu'on est qualifié, donc ça fait déjà un moment qu'on parle de cette demi-finale, qu'on la prépare aussi. Donc c'est sûr qu'on a hâte d'être samedi pour pouvoir montrer des choses, pouvoir tout simplement essayer de réaliser nos objectifs. On sait où on veut aller, on sait qu'on va recevoir une belle équipe de Vannes. Maintenant, voilà, on va essayer de faire le meilleur match possible pour pas être déçu à la fin. C'est important pour le club. Ça fait déjà quelques années qu'on est maintenant en Pro D2, que beaucoup de gens aimeraient qu'on remonte en top 14. Donc jouer une demi-finale à la maison devant son public, bah déjà ça concrétise le travail de toute la saison, de l'équipe, aussi des supporters qui sont venus nous voir toute l'année. Je pense que c'est leur rendre l'appareil que d'avoir réussi de se qualifier là à Charles Maton. Donc maintenant, on va essayer de ne pas les décevoir et de faire que la fête soit belle. Je ne sais pas s'il y a la pression. On attendait ce moment depuis le début. Mais chaque année, c'est pareil, on voulait finir dans le 6 pour avoir des matchs comme ça. Donc si maintenant on est submergé par la pression, je pense que ce n'est pas la peine de faire tout ça pour ça. Donc on reste zen, on va dire. Oui, on sait qu'il y a un grand match devant nous samedi. Mais on se prépare comme il faut, comme d'habitude. En sachant qu'il y a plus de monde dans la conférence de presse et il y a plus d'engouement dans le stade, etc. Mais tous les joueurs veulent jouer ce match comme ça. C'est pour ça qu'on joue au rugby et on a hâte d'y être. Et j'ai envie de dire que maintenant, c'est cette pression, et ça doit transformer en pression positive, mais surtout pour qu'on puisse jouer notre meilleur match, on va dire, sur le terrain de Maton samedi. Non, on est le 8 mai, il fait le même temps qu'il y a 3 mois. Hein, Daz ? On est en Irlande là ou quoi ? Ouais. C'est quoi ça ? Ouais, le weather. Je sais. Not possible, non ? Allez, je vais toujours des maillots à préparer. Hein, toujours. Jusqu'au bout. Ça roule ? Demande par devant. Demande par devant, tout le monde. Mais oui, je suis là. Salut.
Il y a quoi? Il y a apéro chez qui du coup? Il y a apéro à 19h, c'est quoi? Chez qui? Ça, c'est où l'adresse, quoi? C'est où? On vient, hein? La phrase clé, je le redis, Oyonnax aime le rugby et le rugby aime Oyonnax. Alors, je pouvais quand même pas mieux dire. Moi, l'autre fois, il a pas. C'était simple, mais c'était pas avant la coupe. Après, il ne faut pas sous-estimer non plus leur face, mais. Hein, c'est vrai moi. C'est des enfants quand ils jouent au foot. Regarde, oh là là, c'est qui ça? Ça a 3 points. Les buts là, non? Ouais. Oui, mais c'est pas pareil. C'est quoi ça? J'ai vu le. C'est un truc de rap. C'est de la merde. Pour la première. SCH, Nesca et Shai. Je pense qu'on a les matchs. Nous, on a une chance d'avoir le logo de mec. On a une chance, je crois, plus de personnes. Eux, ils ont pas de chance. Parce qu'ils vont être assis comme tout le monde. Donc nous, on va faire un travail pour eux. Oui, ils vont nous taper dans la main, on va voir des coups avec nos potes. Il y a la gloire à le chercher. Il y a le public à Ralfière. Il y a nos familles à Ralfière. Et surtout nos amis. Ça fait 7-8 ans qu'on en est certains. Demain, je pense qu'ils sont gagnés. C'est interdit qu'ils sont gagnés. Interdit qu'ils sont gagnés. Un, deux, trois. Ouais. Pas sur le terrain, on est en mission et on va accomplir cette mission ensemble. Oh, si tu savais ce qu'est le Colisée, l'Espagnol, 50 000 Romains, les yeux rivés sur chaque mouvement de ton épée, t'encourageant à mettre ce tueur à mort. Thank you.
À gérer pour essayer de trouver un maximum de fraîcheur pour ce match-là. Et c'est toujours compliqué quand on sait qu'on est déjà qualifié en demi de rester motivé chaque week-end sur des matchs qui, pour nous, ne servaient pas à grand-chose, entre guillemets. Puis c'est beaucoup de pression parce que ça fait, depuis que je suis à Oyo, ça fait deux fois qu'on perd en demi. On commence à se dire on est maudit et voilà, là, ça fait du bien. Mais le boulot il est pas fini, il y a la semaine prochaine. Et on se l'est dit en début de saison que cette année c'était la nôtre. Le gagnant de ce soir, il va falloir qu'il s'accroche la semaine prochaine. Tous ensemble. Putain, félicitations pour cette performance, dès le début jusqu'à la fin. Et maintenant, on a le droit de profiter tous ensemble. Les gars, je pense que c'est magnifique aujourd'hui. Magnifique le stade. On a parlé de dominer le Grand Est. Je pense qu'on n'est pas loin de le faire. Bois un bière dans le bord, les gars, tous ensemble. Je pense qu'on mérite cette occasion avec eux. Les gars, félicitations. Let's go. Alors moi je dois voir Alice. Ah cool, c'est Julien qui a dû réserver, enfin il m'a dit que je demande Alice pour 28 places. Je sais, ça nous aurait fait quelque chose d'être à la maison, devant la télé, et puis savoir qu'on est là, qu'on est supporter, qu'on n'est pas dans le stade quoi. Voilà. Donc on y va. On y va. Ben oui. Et on va gagner. Je vais prendre une adresse mail parce qu'on ne va pas le mettre directement. Alors c'est... Non mais le mail est bon. Ouais, ouais. Ils sont coquins hein, parce qu'ils les mettent à l'envers. Ah mais il est à l'envers. Pain is the thing I acquire.
to desire. Call someone make it end. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. C'est à quoi d'autre, celui-là ? Sandwich ? Mais en fait, plus tu es loin du trou, plus tu vas avoir un club, qui a amené un club fermé, plus tu rapproches du trou, tu vas ouvrir ton club. Après, tu as différentes façons de jouer. C'est notre dernière, on va dire, réunion avant le match demain. Une saison qui était riche en émotions, et maintenant, on finit avec un match qu'on attendait depuis. La première chose pourquoi je parle de ça, c'est de cette maîtrise des émotions. Il y a des émotions évidemment dans un grand match comme ça. Vous avez, j'imagine, votre famille qui sont là, qui va être dans le stade. Et ça, on doit utiliser ça pour une force, pour le bien de l'équipe. S'ils s'amusent à taper en touche, ils vont prendre ça dans la tête. Excellent. Deuxième lancement. On préparation les gars, let's go. T'as vu ou pas? Les stats changent, c'est un signe grave. Elle est catastrophique, ça fait quoi? Non, faut pas filmer la mienne, c'est pas mieux. Qui là? La grosse? J'aimerais quelque chose toi? Oui. Non. Si j'aimerais peut-être voir ça, je le fais.
on va s'échauffer. Ça, tu le sauras qu'à 17h. À 17h, mais c'est parfait, je vais taper. Maintenant, on va aller parce que nous, on va essayer de visiter à l'opposé. Comme ça, on prend nos marques là et on reprend la dose. Non, pas là où on va commencer le match. Là, on va s'échauffer. Si on peut le savoir, si on s'échauffe là. Donc, ouais, nous, on se mettra aujourd'hui à droite. Comme ça, après, on se remettra à gauche le lendemain. Quoi. Tu vois ? Vous êtes exactement là où vous espérez être en début de saison, quoi. Une partie du contrat, on va dire, est déjà remplie. Oui, tout à fait. On a jamais caché nos ambitions d'être dans le top 6, qualifié le plus haut possible. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et la semaine dernière, dans le match dur, on arrivait à passer en finale et on est où on voulait être au début et on va profiter à fond. Oui, on a fait une belle première partie de saison. On voulait garder la pression jusqu'au bout. Mais on sait aussi que la semaine dernière, ça s'était remis à zéro. Et c'était la phase finale qui comptait. Favori par favori, je ne sais pas. Ils ont fait une bonne dernière partie de la saison aussi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est où on veut être. On a beaucoup travaillé pour être là. Et maintenant, on veut profiter de ce moment pour mettre notre meilleur jeu sur le terrain. C'est face. Ce championnat est différent, il nous en reste un qui est la finale et on se prépare à ce match, mais on n'est pas du tout favori. C'est les médias qui disent ça, c'est normal vu notre saison, mais nous, on part pas favori du tout. Le plus important, c'est de gagner les matchs couperés. On peut les avoir battus deux fois cette année et deux fois l'année dernière, mais le plus important, c'est demain 21h. J'ai le souvenir que Colomiers, deux ans d'affilée, nous ont battus deux fois, on les a battus en barrage. Ça ne veut pas dire qu'en phase régulière, c'est le même résultat que dans la phase de la phase finale. Après, c'est un match de phase finale. Donc, un match de phase finale, on sait comme c'est. C'est souvent assez fermé. Donc, je pense que ça va jouer sur les détails, sur tout ce qui est les fondamentaux du rugby. Quoi. Donc, Ah non!
minutes et on est plus en jeu. T'as de remarques que je joue pas? On vient quand c'est la journée pour un péri une banane. Le fait de payer le mec à temps plein pour me prendre tout. Et j'ai bien fait de prendre un mec à temps plein pour me prendre en photo. Non mais je suis de chez lui. Mais c'est les potes qui ont pris la part. Tu les as pris, ils les ont pris à part. Ouais. Après c'est une bouteille en jeu, une baignoire. Ça va, ça va. Hiro, on dit carré, on dit quoi, tu... J'ai donné comme ça donc... Ah, donc c'est à moi de jouer? Ouais, bon, super, ça me va. J'ai donné comme ça, mais... Ok. Donc, oui. Moi ça me va. Tac. Cute. T'as vu qu'il avait la paire? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as un 6? Sauté. 6 ou rien. Donc t'es cute. Je suis cute. Carré. Ça va, Jules? Ah, désolé. Ça va, toi? Ouais, oh, j'aurais voulu les... Bah, jusqu'à... La tête perdue une fois que je suis parti. Ouais, tu doses et qui c'est qui? Ouais. C'est trop bien. Je sais pas quoi sur les joueurs et tout, je sais pas qu'est-ce que j'aime. Mais il a des couilles de fou la pression de l'air. Et s'il a pas d'espace,
toi t'es bon quand même. Tu dépends seulement du travail de week-end. De l'année, hein. De l'année. Ouais. Moi j'ai à côté de l'aide. Ok, on sert un peu plus. C'est fait, on sert un peu plus. Pour croire tout le monde, parce que ce projet, c'est quand même, et on a tous validé ce projet ensemble. Il y a 11 mois, on a tous dit qu'on voulait être là. On a tous dit qu'on voulait être là. On y est. Ok, on veut gagner le race, nos valeurs. On va mettre ça sur le terrain. On a tous attendu ça. On a tous regardé les grands matchs à la télévision, le foot, le rugby. Maintenant, c'est notre tour. Donc, on ne va pas s'en faire, on va dominer cette pression. On va dominer cette pression. Quand tu portes, tu avances. Quand tu portes, tu avances. Mettez le circuit en place. C'est très simple. Voir notre identité sur le jeu. Ils disent qu'on est le favori, mais ils disent que c'est Grenoble qui va gagner. On a passé un message pendant la saison. Et là, regarde, on va passer un message pour une dernière fois. Un putain de message qu'on est ensemble et on n'est pas là pour être bougé. On n'est pas là pour être bougé. Regarde, gestion d'émotion. On va être zen, on va être agressif, on va jouer comme les Orientaux. Je veux voir notre identité sur le terrain. Et putain, on va gagner du respect et on va passer une dernière fois notre message. Il est là ce moment où des personnes retrouvent leur héros pour communier, pour chanter, pour vibrer. Avec des regards fiers, droits, des postures de vainqueur, on va faire bloc. Déjà, dans ce tunnel, on va regarder fièrement, dignement, nos adversaires. Il n'y a pas que le moment. Il faut que ce moment devienne votre moment. Tout le monde connaît son rôle. Allez, bon travail, tout le monde connaît son rôle. C'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut lâcher les chevaux. C'est maintenant qu'il faut regarder les règles. Pas de mauvaise pression, pas de mauvaise pression. Hein, soyons grands, soyons grands. Et confiance en toi, et confiance en l'équipe. Fais jouer, fais jouer. Stop. Reste ensemble, reste perdu des demi-finales, j'ai souvent été très triste. Aujourd'hui, c'est un sentiment, je ne sais même pas comment le décrire. Quand je vois toute ma famille et tout dans les tribunes, que je vois le stade, le public, c'est magnifique. Au vu de la saison qu'on fait, on jouait tout sur deux matchs, la demi-finale, on a réussi
à se sortir des griffes de Vannes et ce soir de Grenoble. C'était un match intense, c'était peut-être pas un des plus beaux matchs à regarder, mais c'est un match intense, on a dû s'envoyer pour gagner, maintenant en profiter. Justin, salut. Salut. Écoute, voilà, on est le lendemain de la victoire. Non, c'est le soir. Bon, oui, bon, bref, c'est pas la question. Un petit ressenti sur ce match? Oui. Alors, vas-y. Non, oui. Bah, un peu plus, développe. C'est un petit ressenti, du coup. Bon, c'est un petit ressenti. Bah, j'imagine petit. Là, nous avons Théo. Théo, qu'as-tu pensé du match? Le chaperon rouge. Le chaperon rouge. Les œufs sont très bons. Ah. Les œufs sont bons? Qui veut un petit peu, de brioche? Non, merci. Oh.
Bon, va falloir escalader, je crois. Tu notre chant résonné, c'est notre hymne, notre cri de guerrier. Allez, ouyo. Oh, c'est frais. Allez, ouyo, c'est frais. Ah, là, ici, c'est ouyo, là. Ici c'est Oyona, rassure le cœur, aucune faiblesse, même sous la neige, ici on ne recule pas. Il va couler. Il va couler. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Il a un poncho. Oh, j'ai le soulant. Il a un poncho. La 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 la. Non, on a le droit, parce que le chef des croissants, il m'a dit c'est si, c'est le chef des croissants, vous êtes le chef des glaces. La hiérarchie des croissants, c'est sous les glaces, non? Bonjour. Je suis en train d'apprentissage, en apprentissage, voilà, exactement. Donc là, je vais faire ma boue avec beaucoup de qualité, vous allez voir, et tout va très bien se passer. Qu'est-ce que je vais prendre? Pistache vanille, regardez. Donc important, on va bien au bout du truc, pour avoir quand même de la quantité, parce que c'est pas donné quand même, j'ai vu les prix. Ça c'est bien fait. Donc là c'est le premier parfum. Elle est bonne la pistache. Ouais voilà. Ça sent bonne hein, ça va aller, franchement. Voilà, et là on fait quoi? Vanille. Hop. Bon là vanille c'est un peu plus dur parce que. Tu le fais? Non, c'est bon. Non, là, je pense que vous ne me faites pas confiance alors que ça va le faire. Regardez. Oui, effectivement, je ne vous fais pas confiance. Hop là, elle est magnifique. Hop. Et ça nous fait deux boules. Oh non. Juste à la roche. Voilà, Caillou. Caillou. Ouais, Caillou. Hey, je ne sors pas tout seul, bande. Bien sûr. Non, non. Caillou. Caillou. Ah, mais je le connais, les amis. Caillou. Caillou. Je ne sors pas tant qu'elle. Je l'aide, let's go. Oh, le monde. Est-ce que tout le monde m'entend?
le bâtiment pour vous remercier pour cette saison. Mais ça tue pour ces deux dernières semaines. C'était exceptionnel la semaine dernière de voir notre stade plein rouge et noir comme ça. Et hier, c'était tout simplement magique. Ceux qui étaient à l'entrée des joueurs hier, vous avez créé un moment exceptionnel pour tout le monde. Donc je vous remercie au fond de mon cœur. On ne va pas arrêter là. On va profiter de ce soir et puis on va continuer d'avancer ensemble. Merci beaucoup. Yeah.